Bonjour et bienvenue sur Mediapart dans le cadre de nos entretiens sur Un monde à vif. Nous recevons aujourd'hui Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, qui vient de publier un livre Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse. Alors dans ce livre, euh, vous argumentez sur le fait que... Euh, l'ordre vestaphalien euh, dirigé par les grandes puissances n'a pas été revu finalement depuis euh, le XVIIe siècle, mais qu'aujourd'hui les choses sont en train de changer, que ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, que vous appelez le sud dans votre livre, ces nations sont en train d'émerger et finalement de reconfigurer le monde aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut très brièvement rappeler ce qu'était le système westphalien, c'est l'invention du premier système international au sens moderne et littéral du terme, c'est-à-dire assemblant entre elles des États-nations. Ce système n'était composé que d'États européens et s'est élargi, mais très doucement, à l'Amérique du Nord et à l'ensemble du continent américain. La décolonisation a fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire, on était à l'époque dans l'actualité du clivage Est-Ouest, c'est ça qui comptait, la guerre froide, le reste c'était la périphérie, le tiers-monde. Et lorsqu'on est passé de 50 membres, 51 membres fondateurs des Nations Unies à 193 aujourd'hui, eh bien on n'a rien changé. On n'a rien changé et on s'aperçoit maintenant que la facture est douloureuse, c'est-à-dire que nous payons l'absurdité de cette cécité, c'est-à-dire euh, un système européen des vieilles puissances qui se sont installées dans un monde globalisé, dans un monde où ces puissances étaient minoritaires, ultra-minoritaires sur le plan démographique, puis ensuite sur le plan économique même, du fait de l'effet d'émergence. Et ces puissances croient pouvoir régenter le monde. Alors, non seulement elles ne régentent plus le monde, mais ils dérivent de cette espèce d'énorme tension euh, du désordre, du chaos, de la violence, de l'humiliation, de la frustration, mais surtout une recomposition du fait du système international. Et nous sommes tellement forts. Euh, au sein de ces vieilles puissances que nous ne voyons pas que sous nos pieds se recompose le système international. Et donc quand on y touche avec nos vieilles méthodes, style l'intervention militaire, bah, ça marche pas. Mmh. Et euh, constater que les vieilles puissances, que ce soit euh, les Occidentaux ou que ce soit la Russie, n'ont pas gagné une guerre depuis 1945, à l'exception de quelques euh, opérations multilatérales réalisées dans le cadre des Nations Unies. Et alors justement, vous parlez de la politique de la faiblesse. Est-ce que c'est par ce prisme qu'on peut qualifier certaines des grandes catastrophes récentes, euh, l'invasion de l'Irak par les Américains, euh, peut-être par exemple les catastrophes, mais les interventions françaises au Sahel, euh, la carte blanche plus ou moins laissée à Vladimir Poutine sur la scène internationale on peut analyser ça par ce prisme. Oui, parce que euh, cette euh, contradiction, cette tension que je décrivais il y a un instant a engendré une énorme faiblesse dans le système international. Une énorme faiblesse constituée de la faiblesse des États qui venaient à se constituer. Très artificiellement et souvent de manière clientélisée, la faiblesse des nations qui n'étaient pas dotées dans le sud d'un véritable contrat social, la faiblesse des liens sociaux, euh, en quelque sorte abîmés, détériorés par le poids euh, de l'oppression autoritaire et dictatoriale de certains régimes, ou au contraire sous les effets d'écroulement. Donc, euh, faiblesse des sociétés civiles, faiblesse des nations, faiblesse des États, tout ceci a engendré un chaos global et, pour une fois, ce n'est plus la puissance, ce vieux fétiche de notre mmh. histoire propre qui règne sur le monde, parce que la puissance est devenue impuissante, elle est incapable de gérer ce désordre, c'est au contraire la faiblesse qui fait l'agenda international. Faire l'agenda international, ça veut dire quoi Ça veut dire les guerres. D'abord, les guerres euh, sont passées du nord vers le sud. Elles sont maintenant euh, installées, je dirais, des côtes atlantiques de l'Afrique euh, jusqu'à l'Himalaya. Euh, euh, faiblesse euh, qui gouverne, ça veut dire aussi la faiblesse qui organise les grands enjeux internationaux, les vrais enjeux internationaux aujourd'hui. Ce n'est plus euh, euh, les missiles. Euh, à l'Est et à l'Ouest, ni même les missiles nord-coréens ou les missiles iraniens. Le, le véritable problème, c'est euh, les drames sociaux, les enjeux sociaux internationaux qui font peser une insécurité alimentaire, sanitaire, environnementale sur l'ensemble des pays du Sud. C'est ça qui dicte en quelque sorte le rythme des événements internationaux. Et puis, je dirais, la production même des événements. Regardez ce qui s'est passé depuis... Puis euh, l'an 2000, notre changement de siècle et de millénaire, qui a été proactif, qui a fait l'histoire en mal, bien sûr, mais qui l'a fait davantage Ben Laden que euh, le président George W. Bush, euh, qui, lui, est acculé à une position de euh, réaction, euh, comme tous les dirigeants euh, du monde occidental, et cette réaction euh, n'aboutit jamais à euh, des solutions. Néanmoins, vous n'êtes pas entièrement partisan dans ce livre de ce qu'on pourrait appeler la, la, la puissance des faibles, puisque vous vous dites que cela pourrait conduire à l'entropie, justement. Ben, C'est-à-dire que tous les scénarios sont possibles. On est face à une masse euh, de faiblesse, je dirais entre guillemets, de manière imagée. Euh, de la manière dont celle-ci sera gérée, sortira le meilleur ou euh, euh, dérivera le pire, c'est-à-dire que, euh, pour l'instant, euh, cette faiblesse produit surtout du conflit, de la violence, du désespoir aussi, tout ceci étant lié d'ailleurs. Maintenant, euh, cette faiblesse est aussi la base d'une recomposition du monde, c'est-à-dire la preuve euh, emmagasinée chaque jour que la puissance ne peut plus régler le monde, que les vieux systèmes ne fonctionnent plus, qu'il est nécessaire d'en réinventer d'autres. Fort heureusement, cette réinvention, elle se fait au quotidien, on ne la voit pas, mais elle se fait, elle se fait souvent de façon positive. La manière, par exemple, dont la mondialisation est utilisée pour lancer des grandes campagnes de vaccination en Afrique, pour faire reculer certaines maladies tropicales, la manière dont on arrive à contenir... Sans la faire reculer, euh, la fin dans le monde. Tout ceci montre qu'il y a un nouvel ordre qui est en mesure de se construire. Maintenant, euh, le principal ennemi de cet ordre en construction, ce sont les vieilles puissances qui cherchent avant tout et exclusivement à maintenir leur statut, maintenir le statut qu'avaient les vieilles puissances au Congrès de Vienne en 1815, aujourd'hui en 2018. Évidemment, ce n'est pas possible. Évidemment, cela conduit au mieux euh, à euh, des situations de paralysie, au pire à euh, des dégénérescences, euh, que ce soit euh, en Irak, que ce soit au Sahel. À chaque fois que l'on essaye de recycler les vieilles méthodes de la puissance, eh bien on aboutit à aggraver euh, l'état de la maladie plutôt que de la guérir. Est-ce que la Chine, dans ce scénario, aurait finalement, entre guillemets, tout compris au sens où c'est une très grande puissance, mais qui a choisi… Volontairement se mettre en retrait. C'est-à-dire qu'elle intervient très peu à la manière des, des, des vieilles puissances, comme vous dites, sur, sur la, la scène internationale, très discrète, et néanmoins, euh, elle prend de plus en plus d'ampleur. On en a beaucoup parlé de la Chine-Afrique à une époque, mais c'est aussi le commerce avec, avec l'Europe et avec les États-Unis. Voilà, elle a mené une politique différente de celle de cette, cette, cette politique de force que, que vous décrivez, euh, l'héritage de, 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 de l'Europe, finalement. Tout à fait. Je pense que la Chine est la grande gagnante de cette incompréhension que je décrivais il y a un instant. Parce que la Chine, elle, a compris la mondialisation et elle a compris surtout le parti qu'elle pouvait en retirer. Euh, la vision chinoise est très simple dans le fond. Euh, la Chine est un pays sans Dieu, sans messianisme, qui ne cherche donc pas à universaliser son modèle politique, sa philosophie, euh, sa conception de l'ordre du monde mais qui cherche justement à s'infiltrer dans tous les canaux que lui offre la mondialisation pour accroître ses ressources et pour gagner dans ce nouvel ordre. Aidé en cela justement par le fait que la Chine, depuis euh, la révolution de 1949, revendique son identité du Sud. Rappelez-vous Chuen Lai en 1955, qui se battait pour que la Chine soit à Bandung, à la conférence afro-asiatique. Et écoutez les dirigeants chinois qui nous répètent sans cesse que la Chine est un pays en développement. Ça fait sourire aujourd'hui. Mais ça en dit long sur son positionnement. Et effectivement, l'élément que vous venez de rappeler euh, vient euh, distinguer la Chine euh, des vieilles puissances. En cela que la Chine intervient dans l'ordre de la mondialisation quand cela lui rend service, mais s'abstient de ces interventions militaires récurrentes qui deviennent en quelque sorte l'emblème principal de nos politiques étrangères et de nos politiques de défense. Ça, la Chine a compris qu'il ne fallait pas le faire. Elle en est le grand gagnant. Un, un des thèmes qui, qui traverse votre liste, c'est finalement le, le ratage des décolonisations. Oui. Et euh, Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement finalement Parce que la plupart des puissances colonisatrices ont été poussées à décoloniser par la force des événements, par des pays qui voulaient devenir indépendants. Est -ce, comment est-ce que ça aurait pu être finalement fait autrement Parce qu'elles l'ont fait sous la contrainte, et elles ont cherché à garder un, un maximum de, de billes, entre guillemets. Enfin, la, la France-Afrique est l'exemple le plus emblématique, mais on voit dans la manière dont la, la Grande-Bretagne s'est retirée très très vite de l'Inde, en laissant euh, quasiment euh, les problèmes euh, bon, entre, entre musulmans et hindous, notamment, intacts, etc. Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement Et, et est-ce que ce n'est pas un peu naïf de penser que les, les pays occidentaux auraient pu, léguer du, du pouvoir à, à leurs anciennes colonies. Alors mon métier n'est pas de dire comment cela aurait pu être autrement, mmh. mais d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et j'en fais là effectivement un élément pivot de ma démonstration. C'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment conscients du fait que l'un des événements majeurs et les plus négatifs euh, qui se sont produits dans notre histoire internationale depuis 1945, c'est le ratage de la décolonisation. Mmh. La décolonisation aurait pu être le point de départ d'une mondialisation, sinon heureuse, j'ai toujours peur de cette formule, mais en tous les cas euh, réellement opératoire c'est-à-dire la, la décolonisation aurait pu permettre d'élargir ce système international dont je disais tout à l'heure qu'il était propriété exclusive des vieilles puissances à l'ensemble du globe Or, il y a eu trois séries de blocages. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on n'a pas vu parce qu'à l'époque, on était surtout préoccupé par la guerre froide, la coexistence pacifique et le système bipolaire. Le premier de ces ratages, c'est qu'on n'a pas compris que les grands libérateurs euh, des pays du Sud étaient des émancipateurs, mais n'étaient pas des bâtisseurs d'État. Et euh, même certains d'entre eux, je cite en particulier euh, Nkrumah, grand parmi les grands euh, chez les libérateurs, considéraient que construire un État-nation pouvait être même un piège. C'est la raison pour laquelle euh, Nkrumah, comme beaucoup d'autres, Julius Nyerere, Modibo Keita, étaient surtout des panafricanistes. Mmh. Bon, le panafricanisme, c'était la grande utopie, comme nous, nous avons ouais. eu au XIXe siècle nos grandes utopies euh, socialistes, communistes, même libérales, etc. Mais nous avons pu travailler nos utopies, nous avions eu le temps et la possibilité de le faire. Eux n'ont pas pu, ont dû abandonner leur euh, utopie pour construire des États-nations qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qui dérivent soit vers lhyper mmh. soit vers l'effondrement. Ça, ça a été un, un premier blocage. Le deuxième blocage, c'est que aucune place n'a été faite. À cette majorité des peuples et des États ainsi constitués au sein des grandes instances de gouvernance mondiale. C'est-à-dire, euh, la règle, le slogan même, c'était oligarchie. Euh, D'abord et toujours, c'est-à-dire maintenir ce club, ce club issu du Congrès de Vienne 1815 mmh. de quelques puissances européennes, et euh, ni au Conseil de sécurité, ni euh, dans ces groupes tels le G7, ni dans les groupes de contact qui se forment à l'occasion des crises internationales, ces pays du Sud qui sont pourtant. Les acteurs, hélas, qui sont dans le feu, donc le plus à même de participer à cette nouvelle gouvernance du monde, n'ont été admis. Quand on a créé le G20 dans la grande peur d'une crise qui venait d'Asie, on a associé, sinon les pays du Sud, du moins les émergents. Et qu'est devenu le G20 en l'espace de quelques années Il est passé derrière le G7. On en parle pratiquement plus. Deuxième blocage. Troisième blocage. Cette illusion incroyable qui consistait à penser que l'on pouvait continuer, qu'on avait même vocation à continuer à gérer les affaires du Sud euh, comme un peu sur le mode du protecteur et donc euh, les, les anciennes puissances se sont mises à gérer les conflits du sud comme si c'était leur propre conflit comme si une nouvelle bataille de la marne allait permettre d'éradiquer daech par exemple rappelez-vous le président macron l'an dernier euh, pas l'an dernier ou tout début de mmh. cette année d'annoncer que euh, la, la guerre en syrie serait finie vers la mi février Qu'est-ce que ça veut dire Nous ne sommes plus dans cette logique conflictuelle, nous ne sommes plus dans cette guerre de position qui appartient à notre patrimoine historique. Et cette projection de nos méthodes, mais plus que de nos méthodes, euh, de nos pratiques euh, sur le Sud, euh, a toujours, je dis bien toujours, et je surveille mes mots, abouti à des échecs. Et ces échecs il faut les payer un jour. nous commençons à les payer à travers ce que d'aucuns appellent le terrorisme, que j'appellerais la violence disséminée et transnationalisée, euh, qui n'est que, en quelque sorte, le prolongement rhizomatique sous forme de rhizome euh, de euh, ces violences, euh, non seulement que nous ne savons pas contenir, mais que, d'un certain point de vue, et sans le vouloir, bien sûr, nous aidons à se développer. Le, le, la, la grande pathologie, les sociétés du Sud, c'est de devenir des sociétés guerrières, c'est des sociétés de guerre permanente. Mmh. Quelle est la meilleure façon, quand vous êtes un entrepreneur de violence, un seigneur de la guerre, de pérenniser votre acte guerrier Eh bien, c'est qu'on vous fasse la guerre. Et effectivement, on intervient en Libye, ça crée la crise du Sahel. On intervient au Mali, ça renforce la crise du Sahel. Tout ceci n'est pourtant pas difficile à comprendre. Oui, c'est un peu le, le fait des taux. on tape sur une taupe à un endroit et elle ailleurs. Finalement, c'est ce qui se produit aujourd'hui avec le, le terrorisme islamiste. On, on donne à manger à la taupe. Oui. C'est encore pire. C'est encore, encore pire. Vous avez pointé justement, euh, et, et c'est la manière dont vous décrivez ce, 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 cette vieille vision du monde, avec les instances internationales, le Conseil de sécurité, qu'on appelle le P5, le G7, vous en avez parlé, l'OTAN. Mais il y a eu quand même des essais d'organisation au Sud, et dont certains ont marché, que ce soit par exemple le, le Mercosur, l'OPEP, bon, l'Union africaine c'est un peu bancale, mais il y a eu pas ces si tentatives-là, quand même, de, de, de reprendre oui, leur propre oui. compte, finalement, les anciennes institutions, mais à les retourner en leur faveur. Oui, et vous avez d'un certain point de vue, euh, certains de ces pays du sud ou certaines de ces régions du sud ont mieux fait que nous c'est la construction européenne est en panne ce qui est éminemment dommageable mais euh, l'Union africaine a été capable de s'adapter. C'était l'OUA d'abord, l'Union africaine ensuite, ce qui montre un, un progrès. Des organisations euh, subcontinentales qui se sont constituées, la CDAO, la SADEC et beaucoup d'autres, et qui finalement ne marchent pas si mal que ça. Pourquoi Parce que ces États n'ont pas cet ADN hyper souverainiste qui caractérise notre propre histoire westphalienne. Et du coup, on, par rapport à l'espace, par rapport au territoire, par rapport à la frontière, par rapport à la souveraineté, une vision souvent plus souple, plus complexe, plus subtile. Euh, la souveraineté, c'est vraiment notre histoire, c'est l'histoire westphalienne. Ça a été un, un truc inventé à la sortie du Moyen Âge du système féodal pour permettre aux nouveaux États de se constituer. Aujourd'hui, cette souveraineté n'est pas adaptée. Ça ne veut pas dire qu'elle doit disparaître. Regardez, la Chine est loin de dissoudre son concept de souveraineté. Mais la Chine réussit à réhabiliter l'idée de souveraineté dans la mondialisation. La Chine est autant pro-mondialisation que pro-souveraineté. Et ça, c'est une recomposition qu'on trouve dans beaucoup de pays du Sud, qu'on retrouve à travers, vous avez cité beaucoup d'organisations, on pourrait citer aussi les BRICS, on pourrait citer l'IBAS, Inde, Brésil, Afrique du Sud, où effectivement on sait repenser. La souveraineté dans la mondialisation. Ce n'est pas forcément antagonique. C'est antagonique à partir du moment où on se cale sur une définition archaïque de la souveraineté, ce que j'appelle dans mon livre l'archéosouverainisme. Et une dernière question, enfin. Comment vous faites rentrer dans, dans ce cadre les multinationales, qui sont pour la plupart occidentales, où il y en a une poignée qui proviennent d'Asie, qui sont devenues des acteurs des relations internationales extrêmement puissantes, et qu'on ne peut pas mettre du côté des faibles pour le coup non, pas du tout. Euh, les multinationales sont justement le reflet d'un affaiblissement des structures étatiques, euh, des structures étatiques au nord d'un certain point de vue, dans la mesure où elles prennent de plus en plus d'autonomie par rapport au pouvoir politique qui les aurait suscité dans un premier temps, mais par rapport aux États du Sud. C'est-à-dire, c'est la faillite institutionnelle au Sud qui permet à ces multinationales pratiquement de gouverner leur territoire et d'exploiter les sous-sols très riches dont la richesse devrait revenir. Au peuple et aux États, et qui, du fait de la faiblesse, des faiblesses des États, des nations et des sociétés civiles dont je parlais tout à l'heure, tentent à être captés par tout un tas d'acteurs transnationaux, en premier lieu les multinationales. Mais ce qu'il faut bien voir dans cette affaire, c'est que les multinationales peuvent faire leur beurre, et elles le font, n'est-ce pas, mais elles ne peuvent pas produire un nouvel ordre international. D'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Ou mmh. ça pourrait les intéresser dans la mesure où elles ont besoin d'une certaine paix, pas d'une paix totale. Les sociétés guerrières les arrangent souvent aussi, mais ont besoin d'un certain ordre international qu'elles ne parviennent pas à imposer et qui finalement devrait être la base de cette recomposition, c'est-à-dire la réinvention du monde qui est actuellement en marche, où elle se stabilisera autour d'institutions nouvelles et fortes, et à ce moment-là, elle deviendra positive, ou alors, effectivement, cette recomposition du monde risque de réveiller les vieux fantasmes de Hobbes, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, et la guerre généralisée qui se répandra un peu partout, c'est... Certains points de vue l'une des menaces pas la plus crédible mais l'une des menaces qui pèse sur nous merci merci beaucoup je rappelle le titre de votre ouvrage quand le sud réinvente le monde essai sur la puissance de la faiblesse merci de nous avoir écoutés ou regardés et à bientôt pour un nouvel épisode d'un monde à vif